Vrishyam Varunah Shanno Bhavatvaryama Shanna Indro Bruhaspadihi Shanno Vishnururukramah Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Ritam Vadishyami Satyam Vadishyami Tanmamavatu Tadvaktaramavatu Avatu Maam Avatu Vaktaram Om Shanti Shanti Shanti. It's better because voilà, that's better. Tu peux mettre ton sac là, tu as une chaise pour que tu mettes ton sac. We have special privilege of you are coming here. Yes. I expect tomorrow nothing happens. So in the modalities which we were discussing in the remedy sulfur. Donc les modalités dont nous avons parlé dans l'homéopathie de sulfure. So yesterday I have mentioned certain modalities. Hier j'ai mentionné certaines modalités. And still we have some more deeper intricate points to discuss in those modalities. Nous avons à approfondir certains points de cette modalité. Because we are making a special deeper study of the remedy sulfur. Parce que nous devons faire une étude plus profonde de ce remède sulfure. Because when we have to understand a remedy from the material medica. Lorsqu'on doit comprendre un remède à partir de la matière médicale. Especially a remedy like sulfur, because it has such a universal applicability. Surtout un remède tel que sulfure, parce qu'il a une application universelle. We must know the very intricate and subtle points so that we can identify a person easily. Nous devons connaître les points subtils pour pouvoir identifier une personne facilement. Because when Dr. Hahnemann explains, because he is the prover, he also proved these remedies. Hahnemann a expliqué parce que lui, il a testé tous les remèdes. And he has explained the remedies and how to apply them practically also. Il a expliqué tous les remèdes et comment les appliquer. Because when we study a remedy directly, just directly in the materia medica, si nous étudions un remède directement dans la materia medica, then when we are reading the remedy, it appears okay, we know this, but after that again, it may not
be easy to have it recorded in our mind. Quand on lit, quand on étudie ce remède à la materia medica, on se dit, bah oui, ok, ça va, j'ai lu, j'ai étudié un peu. Mais par la suite, ça n'est pas imprimé dans la mémoire et on oublie très facilement lorsqu'on procède de cette manière-là. Because it is not possible by just applying the method of memorization. Donc ce n'est pas possible en appliquant juste la mémorisation. So when we study a remedy, then we must correlate this to some persons whom we know, because in the society we know many persons. When we study the remedy, we can recognize, oh, this is the person. Lorsqu'on étudie un remède, il faut faire une corrélation avec ce remède et une personne que l'on connaît. Parce que nous connaissons beaucoup de personnes dans la société et on peut toujours faire une connexion avec l'une ou l'autre personne qui appartiendrait à ce remède. Or sometimes, when we, many times, when we study a remedy, we can see our picture also in the remedy. Lorsque nous étudions un remède, nous pouvons nous y retrouver également. Because every remedy has many symptoms, especially such remedies which are anti-miasmatic have many symptoms. Parce qu'il y a évidemment beaucoup de symptômes et il y a toujours bien un ou quelques symptômes qui nous appartiennent en propre. Donc notre image est imprimée dans ce remède également. And therefore, in the beginning, when we study the homeopathic materia medica. Donc au début, quand on étudie la materia medica homéopathique. In every remedy, when we study, we feel that, oh, this is my remedy, perhaps like that. À chaque remède que l'on étudie, on se dit, oh, ça c'est probablement un de mes remèdes, ça. Because every remedy has at least one or two symptoms of that remedy we can find in ourselves. Parce que chaque remède a au moins un ou deux symptômes du remède dont nous avons besoin. So therefore, this type of study of the remedies of materia medica. Donc ce type d'étude de la materia medica. That will enable us to get familiarized with each remedy. Cela nous permet de nous familiariser avec chaque remède. So we have to get familiarized with a remedy just like how we get familiarized with a person. Donc nous devons nous familiariser avec un remède juste comme de la même façon que nous nous familiarisons avec une personne. We should not think that we are studying some lifeless substance. Lifeless, yeah, okay. Nous ne devons pas penser que nous étudions une substance sans vie. Then it will be very interesting and very easy for us to study materia medica. Et si nous étudions de cette façon-là, c'est-à-dire en comparant avec une personne que l'on connaît ou plusieurs, alors c'est très facile d'étudier la materia medica et de la mémoriser. So yesterday we have studied one modality that sulfur, a person of sulfur has certain food substances which he cannot relish. Hier, nous avons étudié que sulfure a certains aliments qu'il n'aime pas du tout. So those are like the butter and oily substances. Tels que le beurre et les matières huileuses. And also the fats. Et les matières grasses. So these substances, a person of sulfur cannot relish. Une personne de sulfure n'aime pas, ne sait pas manger ça. Even in children, when you observe a child, if the child is having constitution of sulfur, so even you put butter before
Même prenez un enfant et s'il a la constitution de sulfure, vous mettez du beurre devant lui, et bien il va le pousser de côté. Yesterday I told you that there are some features which are common in Nakshvanga and also in sulfurs. Hier, je vous ai dit qu'il y avait certaines caractéristiques qui étaient communes à Nakshvanga et sulfure. So a Nakshvanga person also cannot, he may reject such substances which are fatty substances and oily substances. Donc, Nuxvomica aussi rejette les substances huileuses et grasses. But the difference is that a sulfur person cannot relish, but the Nuxvomica person, he likes to have, but he knows that if he eats, he cannot assimilate or digest. So therefore, he has a temptation, but he is afraid. But sulfur person, he has no taste for that. Mm. Donc la différence entre Nuxvomica et sulfure, c'est que la personne sulfure ne sait absolument pas avaler cette nourriture, donc il n'a aucun désir, aucune tentation d'avaler cela. Tandis que la personne Nuxvomica, en réalité, il l'aime bien, donc il est attiré. Et lorsqu'il mange cette nourriture grasse ou huileuse, il ne sait pas la digérer. Donc il est malade après. So a person of Nakshvanga is tempted because when there is some smell of some preparation, so with the smell he is attracted. But many times when he has eaten this, he got much disturbance, and so therefore he is afraid. Donc la personne Nuxvomica est attirée par cette nourriture et lorsqu'il la mange, il a des problèmes digestifs, des perturbations dans l'estomac et ça le met mal à l'aise. But to identify a Nuxvomica person from this is that he makes it like a philosophy. He says that I always have a healthy habit, so therefore I don't eat all these heavy and oily stuffs because I have many healthy habits. Donc Nuxvomica Nuxve traduit ça de la manière suivante en disant oh, moi j'ai une santé très forte et je n'ai pas l'habitude, parce que je n'ai pas l'habitude de manger toutes ces choses-là, mais en réalité c'est parce qu'il ne les digère pas qu'il ne les mange pas. Il prend ça comme excuse. He tries to show himself as a very disciplined person. Il essaye de se montrer comme une personne très disciplinée de ce fait-là. And also we have seen that sulfur, a person of sulfur, he cannot relish sweet substances. Even a child, for example, generally children, when there is a bonbon or a sweet, they are tempted. But a child who is born with a constitution of sulfur, even if you keep many sweets, but he will not touch. Donc même un enfant en bas âge, lorsque vous lui présentez des sucreries, eh bien, il ne les touchera pas. Il ne sera pas du tout attiré vers ça. Un enfant sulfure. Oui, quand tu es un enfant. Qu'est-ce que j'ai dit? Ça n'a pas été précisé. Je ne savais plus si c'était tout. Non, sulfure. And also, the person who belongs to sulfur, he also does not prefer to drink milk also, because for him milk also is heavy.
Donc la personne sulfure aussi ne boira pas de lait parce que pour lui, le lait, c'est très lourd à digérer. So a person of sulfur likes something which is somewhat salty and somewhat sour, like that. Donc la personne sulfure aime ce qui est salé, ce qui est sûr. For example, if you invite a person of sulfur, a person of nakshamika, and a person of pulsatilla together to a feast. Bon, si vous invitez une personne sulfure, une nuxvomica, une pulsatilla, et si vous faites une fête. And you have placed many varieties of items with many sweets. Si vous avez une grande variété de choses à manger avec beaucoup de sucreries. And ice creams and all these things. Ah, et de la crème glace et toutes ces choses. So, a person of sulfur will not touch these ice creams or sweets and all these things. He will select which are not very protein things, and he will. If you oblige him to eat some of these things, then afterwards he will have a problem. Donc la personne sulfe, elle va choisir tout ce qui est non protéiné, et si vous l'obligez, par exemple, à manger cela, après il aura des problèmes à l'estomac. And a person of nakshvamika, then he is tempted, because when you have invited for a feast, he cannot sometimes overcome temptation. Mm-hmm. So he eats which are very spicy things, and so then he eats these things, and afterwards he will have stomach disturbance, diarrhea and all this. Et la personne nuxvomica, lui, il est tenté en voyant toutes ces choses, parce qu'en réalité, il aime beaucoup. Donc, il se laisse tenter, il les mange, mais après, il a la diarrhée et des problèmes digestifs. Donc, nuxvomica, même quand il sait, parce qu'en réalité, il sait qu'au départ, il va avoir des problèmes digestifs en mangeant ça, mais il les mange quand même, en se disant, oh, on verra bien. C'est trop tentant pour lui, il les mange quand même. And then that he's tempted, but he knows that he may get problems, but anyway he eats. He is tempted. Yeah. Many times he is tempted, and afterwards he will fall sick. Yeah, but he knows he will fall sick. Oh yes. And even he eats. If anybody reminds, then he will get angry. Yes. Yeah. Quelqu'un le lui dit, mais non, ne mange pas ça, tu vas être malade, alors il se met en colère. Yeah. At that moment, if someone from the family says, oh, you will fall sick, you don't eat, and he will be very angry next moment. Si une personne de la famille lui dit, ben ne mange pas ça, tu vas être malade, tu le sais bien. Bon, alors il se met en colère, fiche-moi la paix, je mange, et puis c'est tout. And then, pulsatilla person, donc une personne pulsatilla, when he looks at sweets, especially like ice creams, then he cannot resist. Une personne pulsatilla ne sait pas résister à la crème glace. So the children who belong to pulsatilla, very often they demand for ice creams from the parents. Donc des enfants pulsatilla demandent très souvent pour avoir de la crème glace à leurs parents. And it may be a child or it may be adult, no difference. Because he is pulsatilla. Que ce soit un enfant ou un adulte, il n'y a pas de différence parce qu'ils sont pulsatilla. So in the feast, he takes 2 or 3 cups of ice creams, and after going home, then when he lies down, then he starts snoring, and then suffocating already, and then when you touch the body, already he got fever. Yes. And then inflammation in the throat. By next morning, you can see there is inflammation of tonsils and glands. Voilà. Donc, quand cette personne rentre chez elle, donc la personne pulsatilla rentre chez elle, elle se couche et puis elle commence à avoir des problèmes. Bon, il
de l'inflammation, ça commence à monter, et puis les glandes gonflent, il peut même faire de la fièvre, etc. Le lendemain, il peut faire de la fièvre. Invariably, you can see, when it happens that he happens to eat cool things like ice cream, and then when he gets into sleep, due to the suffocation, he starts screaming also. Et oui, il suffoque aussi, j'ai oublié de dire tout à l'heure. Donc, vous pouvez voir la personne nous vomica, elle suffoque, et puis quand elle suffoque, elle commence à pleurer. And the parents think that the child is screaming because of some nightmare. It is not nightmare, it is because of this blockage. Et les parents pensent que l'enfant pleure parce qu'il fait des cauchemars, mais en réalité ce n'est pas ça, c'est parce qu'il y a ce blocage qui est là. Oops. I think you must turn. Yes. No? You must check. Yes. Yeah, sure. Okay. So very quickly, the pulsatilla patient is affected, gets fever and all these symptoms. Très rapidement, cette personne pulsatilla est affectée à de la fièvre et beaucoup de problèmes quand elle mange comme ça. La crème glace, quelque chose de fort. So there is very important information are like a rule which Hanuman has given to us. Donc ici c'est une ligne à suivre, je vais dire ce que Hanuman nous a donné, et une ligne à suivre très importante. So we must remember. Craving, you know what is craving? Yes, I know. Donc, craving, c'est un désir intense de. So, craving means irresistible desire. Yeah, yeah, yeah. Désir irrésistible, désir intense de manger quelque chose, on ne sait pas résister. So, many persons have craving about some substances. One person may have craving in sweets, one person may have craving about saltish. Mm-hmm. So they'll be different. But many persons you find will have at least one or two such things which they have a craving for that. Donc vous voyez les personnes qui ont un désir irrésistible pour des choses salées, d'autres des choses sucrées. So you can observe, or you can rather test the person. Because when you observe the person, when such substance is there, so he cannot, suppose a person is addicted to coffee, very strong coffee, and he has a craving, suppose. So when there is coffee and he gets the smell, he cannot resist. Donc supposons une personne qui adore le café, donc quand elle sent cette odeur, elle ne sait absolument pas résister à boire du café. Et chaque personne, ça il l'a dit tout à l'heure, chaque personne, en général, chaque personne a quand même une ou deux choses qu'elle a vraiment très difficile de résister, auxquelles elle a vraiment difficile de résister. So here, what Hanuman explains is that any person has, when he has a craving for certain substance, especially in the food, in nourishment, that substance which causes him this irresistible desire, if it is taken by this person, it will disturb the health of the person. Donc la personne, justement, les personnes qui ont ce désir intense pour quelque chose irrésistible, lorsque
elles prennent, lorsqu'elles avalent cette substance, elle va détruire, elle va endommager l'état de leur santé. It is not only liking, it should be a strong, irresistible craving. Oui, ce n'est pas uniquement aimer, hein, c'est un désir irrésistible pour quelque chose. So it is very subtle what we have to understand, because for example, if I say I like to eat fruit, that is not craving. Oh yes, sure. So like this, but craving is really very intense. So suppose if I have a craving for chocolate and I am just speaking to you, explaining, and suppose she may put some chocolate. So this is a test. If I have craving, so I cannot resist the temptation. So it should, when such an intense craving is there on any substance, this substance disrupts the health of the person. That is very subtle rule what Hahnemann explains. Donc ceci est très subtil à comprendre, ce qu'Hahnemann a expliqué. C'est-à-dire, si une personne vous dit « Oh, moi j'aime bien les fruits, j'en mange beaucoup », ça, ce n'est pas un désir irrésistible. Mais si, par exemple, une personne a ce désir irrésistible pour le chocolat et que c'est un bon test à faire, si vous déposez du chocolat là-bas, par exemple, elle va tout le temps regarder et pour finir, elle va en prendre parce qu'elle ne saura pas résister à ce chocolat. Et ça, ça va endommager sa santé. You find some children, for example, when the mother tries to give some food and tries to persuade the child to eat, but the child insists, if the mother puts some sugar, then the child will eat. Mm-hmm. So this is the child who has irresistible, strong craving for sugar. So this is what you see. Donc, par exemple, un enfant qui ne veut pas manger, la maman insiste, essaye de persuader l'enfant de manger, mais rien à faire. Et si la mère ajoute un peu de sucre à sa nourriture, le gosse va manger. Donc ça, c'est vraiment ce désir irrésistible pour le sucre. C'est un gosse qui aime ce qui est sucré. And this irresistible craving is a sign of ill health, because it belongs not just only physical plane, because this is, there is a substance. Substance is physical, body is physical, but this irresistible craving for the substance is not physical, it is mental. Donc quand il y a un désir irrésistible à ce point-là, cela veut dire que ce n'est pas uniquement sur le plan du corps physique, et ça veut dire que c'est une mauvaise santé, c'est un déséquilibre de santé, et cela se passe sur le plan mental et non pas sur le plan physique. We can observe in our practice, because we have seen many children, because the mothers, they bring the child for treatment, and then the mother explains that the child will not take food unless she allows the child to eat sugar or chocolate. Then if as a doctor I say that, but the child is falling sick, you don't, please don't allow. But the mother says, yes, but the child will not take the food, what can I do? So it was said. But the child is falling sick very frequently. Donc on voit beaucoup dans les dispensaires, etc. Ils voient énormément d'enfants. Les parents amènent les enfants en disant, voilà, mon enfant ne veut absolument pas manger, à moins que je ne mette du sucre dedans ou que je lui donne un morceau de chocolat avec. Et alors ils leur disent, mais vous ne devez absolument pas faire ça, votre enfant va tomber malade. Ben oui, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, mon enfant, il ne mange pas, alors il n'y a rien à faire. Mais effectivement, ce sont des enfants qui sont très fréquemment malades. So everyone can experiment and observe even themselves if they have some craving, and whenever they take that substance, when due to the craving,
It may be sugar, or it may be salt, or it may be beer. It may be anything.